Chapitre 14. Le pouvoir des comptines. L'idée que nous ne faisions habituellement des comptines est celle de refrains simplifiés servant à rythmer une ronde enfantine. Il s'agit de quelques phrases répétées d'une manière presque hypnotique ou d'une histoire symbolique aux péripéties parfois obscures, mais que l'enfant comprend au-delà des mots par la structure et l'émotion de certaines images. La comptine est véritablement un ensemble de paroles magiques, un sésame, ouvre-toi, donnant accès au pays des merveilles. La formule qui rend invisible ou qui confère des pouvoirs au magicien tient au rythme et à l'hermétisme des mots. Amstramgram, piqué, piqué, collégramme, chantent les enfants en se souvenant inconsciemment des anciennes paroles magiques du Moyen-Âge, abracadabra. L'enfant qui fredonne les comptines s'identifie pendant quelques instants au personnage de ces légendes. Que désire-t-il ? Être un autre, voguer sur des navires chargés d'or, découvrir des princesses idéales, devenir roi, empereur, guerrier, magicien, retrouver en lui les possibilités infinies auxquelles nous ne croyons plus, nous les adultes. J'ai trois vaisseaux dessus la mer gentille. L'un chargé d'or, l'autre de perles fines et le troisième pour promener ma mie. Parfois, c'est l'émotion secrète de la terreur qui couvre les portes de l'impossible qui fait naître chez l'enfant une transe presque hypnotique. J'ai tant tué de petits lapins blancs que mes souliers sont pleins de sang. Tu as menti, faux traître. Je te ferai connaître. Je vois tes pâles couleurs. Que tu viens de tuer ma sœur. Cette dramatisation vécue en profondeur crée un état de conscience particulier. En tournant en rond, en dansant en cercle, l'enfant répète inlassablement les paroles de la comptine, comme s'il désirait inconsciemment les charger, les rendre vivantes, à la manière des mages du passé qui appelaient les esprits à l'intérieur du cercle magique. Puis l'émotion change tout à coup. Après la terreur vient l'extase, la rêverie idéale. La ronde n'a pas cessé pour autant. Les comptines se multiplient en modifiant progressivement l'état de conscience des participants. Les hissant palier après palier, degré après degré, jusqu'à la transe visionnaire, jusqu'au jardin sans nom. Où entra un soir le grand Molne, où Vernal chercha l'étoile impossible. Au jardin de mon père, vole mon cœur, vole. Il y a un pommier, doux, tout doux, trois belles princesses. Vole mon cœur, vole. Trois belles princesses sont couchées dessous, dans les cas d'enfants, s'éveillant aux perceptions extrasensoriel, la comptine est réellement chargée d'une vie précise, parfois puissante, comme le prouve le témoignage suivant. Le 10 juin 1964, le petit Thierry C. rentra chez lui avec un début de fièvre. Le lendemain, il était cloué sur son lit avec une angine et une température très élevée. Le jeudi suivant, jour de loisirs des enfants, ses jeunes camarades vinrent lui rendre visite et restèrent près d'une demi-heure à son chevet. Malgré les consignes des parents qui réclamaient le calme autour de Thierry, les enfants entreprirent de former une ronde dans la chambre tout près du lit où l'enfant fiévreux somnolait à demi. Après les quelques comptines habituelles, les camarades de jeu de Thierry improvisèrent des bribes de phrases où il était question d'un petit garçon malade qu'un lutin venait guérir. Les parents, alertés par le vacarme de la ronde, entrèrent dans la chambre pour interrompre le jeu. Une demi-heure après cette ronde enfantine, la fièvre de Thierry avait disparu
Totalement. Sans le savoir, les enfants avaient retrouvé les techniques hypnotiques de certaines danses rituelles et leur efficacité en matière de guérison. Les prêtres des anciennes religions affirmaient avec certitude que la danse crée des forces curatives. Quand une personne est malade, c'est qu'elle est en désaccord avec l'univers. Elle peut retrouver l'harmonie et la santé quand elle accorde ses mouvements à ceux des étoiles. Ainsi, la ronde rythmée par les complices est une tentative spontanée pour retrouver la relation perdue entre l'homme et les énergies subtiles de l'univers. Comme le montre Kurt Seligman dans son Histoire des magies, la musique est l'harmonie, et l'harmonie est le mystère de l'univers. La musique guérit magiquement les maladies. Kircher et Gaspard Scott, 1806, 1808, 1800, 1808, 10, 1608, 1666, l'ont expliqué. Et cette croyance est bien plus ancienne que Esculape ordonnait des chants pour apaiser la fièvre. Damon guérissait les ivrognes par la musique, les chants et le jeu des flûtes et des harpes soignent également l'âme. Empédocle n'avait-il pas, par la musique, obligé un meurtrier à renoncer à son crime? Nous l'avons vu, le rythme des comptines vécu spontanément par les enfants est identique au rythme des formules connues des prêtres, les mantras. L'harmonie musicale, écrivait Agrippa von Nettesheim au XVIe siècle, l'harmonie musicale est une créatrice force, est une créatrice fort puissante. L'harmonie musicale est une créatrice fort puissante. Elle attire les influences célestes et change les affections, les intentions, les gestes, les notions, les actions et les dispositions. Les parapsychologues ont repris à leur compte cette révélation de Cornelius Agrippa. Ils savent aujourd'hui que certaines musiques peuvent effectivement changer l'état de conscience, provoquer la transe et permettre la clairvoyance et la naissance de toutes les perceptions extrasensorielles. Nous citerons en exemple l'expérience suivante racontée par J. Arch. L'enfant s'appelle Lucien V. Il y a 10 ans, à la suite d'un test de sélection, il manifesta certaines dispositions pour la prémonition. Devinant les cartes que nous lui présentions au-delà du seuil du hasard, il accepta de chanter une comptine et de répéter inlassablement le refrain composé de quelques syllabes en tournant en rond. Après 5 minutes, son visage change, fixité du regard, comme s'il contemplait des personnages invisibles pour nous, sueur sur son front, parfois un léger sourire. Il tourne en rond, plus lentement, s'arrête, recommence, puis s'assied sur notre indication. Silence dans la pièce. L'enfant continue sa chanson, mais la fredonne plus doucement, d'une manière presque imperceptible. J'ai l'impression que nous ne comptons plus pour lui. Sa conscience tendue vers le rythme de la comptine est entièrement fermée sur la ronde des mots. Il chante pour lui, comme s'il cherchait inconsciemment quelque chose. C'est alors que se produit l'incident. L'une des vitres de la pièce se met à trembler, puis se brise violemment sans raison. La cause reste mystérieuse.
Puisque nous n'avons entendu aucune explosion dans le voisinage, le passage d'un avion supersonique est lui aussi exclu. L'enfant s'arrête de chanter et nous regarde fixement, toujours en transe. Il annonce tristement « quelqu'un était rentré dans la pièce, vous l'avez fait fuir ». Danser, chanter, jouer de la musique faciliterait ainsi l'ouverture de la conscience, affinerait les sens et placerait le sujet dans un état de réceptivité extrême. Sans que l'enfant le sache consciemment, la ronde, rythmée par les comptines, recrée le tourbillon vertigineux qui permettait jadis l'union des hommes avec les forces de l'univers, comme le prouvent les techniques extatiques des derviches tourneurs, par exemple. La danse cosmique du jeune Mevlana. Le mécanisme des rondes enfantines provoquant parfois des manifestations paranormales, dans le cas de sujets doués, c'est-à-dire réceptifs, ressemble étrangement à la danse cosmique des derviches tourneurs, elle aussi génératrice de phénomènes particuliers dont la voyance et le dédoublement. Mevlana Jalal Un Din Rumi fut le prophète de la discipline spirituelle islamique appelée soufisme. Dès sa plus tendre enfance, Mevlana était un artiste inspiré, un poète, sensible à la beauté des mots, à la magie des images qu'il suggère. Il aimait aussi la musique et la danse pour parvenir à l'extase. Il comprit que la danse était peut-être un moyen efficace. Selon la tradition soufie, le jeune garçon découvrit cette technique par un phénomène que nous appelions aujourd'hui la télépathie. Appuyé contre un arbre, Mevlana se désolait de l'absence de son maître lorsqu'une irrésistible envie de tourner sur lui-même s'imposa à lui. Il obéit à son intuition et aussitôt la pensée de son maître l'envahit. Il sut alors que Shems Tebrizi, son maître spirituel, l'obligeait à se livrer à cette giration insolite pour lui faire savoir que leur pensée à l'un et à l'autre demeurait unie, quelle que soit la distance et le temps. Depuis, la ronde devint le moyen employé par les derviches pour atteindre l'état de transe provoquant l'extase. Le derviche, mis en condition par la musique rituelle, arrache son âme à la terre, dit la tradition, pour la laver, pour la laisser s'envoler vers le ciel. Autre similitude avec les psalmodies d'enfants et les comptines répétées pendant la ronde, des dizaines et des dizaines de fois, le derviche invoque le nom d'Allah, divinité à laquelle il s'identifie, comme l'enfant s'identifie à un personnage de légende, sur le même ton monocorde. Mevlana déclarait à ses disciples « Dis le nom d'Allah jusqu'à ce que tu en deviennes fou » pendant la danse du derviche. Toutes les sensations physiques sont abolies, plus rien ne compte en dehors de l'extase intérieure qui fait naître les pouvoirs et fait du derviche un yogi de l'islam. Des expériences récentes ont prouvé que certains enfants hypnotisés par la récitation d'une comptine arrivent à une hypersensibilité physique dite du premier degré. Un appel de la voix ou un contact léger de la main, par exemple, ne peut les sortir de leur contemplation sonore. Promenons-nous dans les bois. Nous avons vu avec le complexe d'Alice que la fugue irrationnelle est un besoin profond chez l'enfant. Mais l'enfant a peur. Sa peur
est évidemment bien particulière. Peur du noir, des démons qu'il croit deviner dans la nuit de sa chambre, des monstres ou des génies malfaisants qui peuplent ses livres de contes. Pour lui, la fugue est une promenade au pays des merveilles, une incursion dans les domaines de l'impossible. Mais pour réaliser ce voyage, il lui faut d'abord vaincre les sortilèges, éliminer les obstacles, comme le font tous les héros des légendes. L'enfant exprime son besoin de fugue en fredonnant une comptine bien connue. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Vaincre le loup pour pouvoir errer librement dans ce bois merveilleux. Ce problème sera naturellement résolu par la comptine elle-même qui servira d'exorcisme, comme toutes les formules de protection. L'enfant, dont la sensibilité est particulièrement développée, s'identifie en quelques secondes au rythme de la comptine, il chante, se charge mentalement des nuances de la chanson et retrouve soudain en lui la confiance qui lui est nécessaire, une absolue certitude. Alors l'impossible descend dans la vie quotidienne. Avec lui naissent les pouvoirs paranormaux et le voyage au pays des merveilles peut commencer. Les yeux bandés, Serge T joue à Colin Maillard au milieu d'un groupe d'enfants qui illustrent le jeu en fredonnant des comptines du genre « Un aveugle ne voit pas, il peut voir avec ses doigts » et autres improvisations du moment. Il touche des doigts le visage d'un camarade, essaie de deviner, prononce un nom qui se révèle exact. La seconde expérience est tout aussi concluante. Il lui suffit de toucher l'un de ses voisins du bout d'un de ses doigts pour deviner aussitôt son identité. À Alloche, près de Marseille, Bertrand D s'endort tous les soirs en murmurant inlassablement sur le même ton monocorde avec ses bottes de 7 lieues. Il atteint le pays bleu. Un matin, les parents de Bertrand entrent dans sa chambre et le lit est vide. On retrouve l'enfant couché au fond du jardin, enroulé dans une couverture. Somnambulisme. Dès son réveil, Bertrand affirmera qu'il rêvait, qu'il avait fait une enjambée hors de son lit, une seule enjambée, et s'était tout à coup endormi dans un lieu qui lui semblait inhabituel. Au grand étonnement de ses parents, il était chaussé de bottes de caoutchouc. La candeur de l'enfant, la puissance de ses désirs, sa faculté de vivre souvent à côté de lui-même dans des personnalités d'emprunt lui permettent ce que nous avons, hélas, oublié, l'appréhension de nouvelles formes de réalité. Ce qui caractérise l'enfance, c'est le lien avec la nature, avec les éléments qui l'environnent et qu'il identifie d'instinct, le sens inné des origines et du mystère. Mais trop tôt adulte, l'enfant d'aujourd'hui est souvent coupé de la nature et de ce que les anciens appelaient l'âme universelle. L'homme, lui aussi, a oublié ses qualités ancestrales pour n'être plus qu'une personnalité de surface appartenant à une classe sociale. Si l'homme n'a plus le temps de s'écouter vivre, l'enfant lui aussi a de moins en moins le temps de créer. Dans cette optique, la comptine devient inintelligible et le sens opératif de ses sonorités est remplacé par le sens vulgaire. La voici reléguée au musée des arts et des traditions populaires qui ne reçoit d'ailleurs aucune visite. Nous le répéterons jamais assez. L'enfant qui possède des pouvoirs extrasensoriels est une anticipation de notre propre avenir, le héros de cet âge d'or où nous devrons à nouveau communier avec l'univers à travers les énergies les plus subtiles. Nous avons en nous la volonté nécessaire
pour créer ces univers qui ont enchanté notre enfance, pour ressusciter les anciennes féeries que savons-nous de nous-mêmes, de cette boîte obscure qui nous sert de cerveau. Ce que nous appelons conscience ne représente que 20% de notre matière grise. Que savons-nous du reste, des possibilités merveilleuses qui dorment dans la nuit de notre conscience? Que savons-nous du reste des possibilités merveilleuses qui dorment dans la nuit de notre inconscient? Il nous faut nous réveiller de notre trop long sommeil, comme l'ont fait certains de nos enfants, dont les comportements nous terrifient. Ils ne sont pourtant que ce que nous avons refusé d'être, la vie réelle sous ses multiples visages. Chapitre 15. L'enfant face aux ovnis. Le 2 novembre 1971, Ronald Johnson, âgé de 16 ans, gardait les moutons avec son chien quand sa mère l'appela pour l'inviter au repas du soir. Monsieur et Madame Johnson avaient fini de dîner et Ronald n'était toujours pas là. Sa mère l'appela une seconde fois. Il assura qu'il était en train de travailler à la bergerie et aussitôt après qu'il eut répondu, il entendit un grondement et un objet apparut qui s'illumina de haut en bas de toutes les couleurs. Pour lui, l'illumination ne provenait pas de lumières séparées, mais d'un amoncellement de couleurs variées sur toute la surface de l'objet. Il ne put discerner une surface métallique. L'objet lui apparut comme étant pourvu d'un dôme au-dessus et bombé sur le pourtour, avec une lueur brillante entre la base et le sol. Il planait à environ 0,60 mètres du sol et à aucun moment il ne le vit toucher le sol. Ronald se trouvait à 20 mètres environ de l'objet et pouvait bien l'observer. Il nota que celui-ci resta tout à fait immobile et que le chien était très calme. Les couleurs observées étaient bleu, rouge et orange, et elle ne changera à aucun moment. Il estima le diamètre de l'objet à 2,75 mètres et sa hauteur à 3 mètres. Les moutons étaient effrayés soit par la présence de l'objet, soit par le son, et Ronald déclara qu'ils tentèrent de s'échapper de la bergerie plusieurs soirs après l'observation. Après plusieurs minutes, l'objet devint plus brillant à la base et il commença à s'élever à une vitesse considérable en passant au-dessus d'un hangar avoisinant. Et à ce moment, le bruit devint plus strident comme celui d'un jet. C'est à ce moment-là que la mère de Ronald l'appela pour la seconde fois. Ronald courut vers la maison, dit à ses parents qu'une soucoupe volante ou quelque chose d'équivalent venait d'atterrir et qu'elle était encore visible dans le ciel. Les parents sortirent à leur tour et virent une lueur brillante dans le ciel à 180 degrés au sud. Celle-ci avait un diamètre au moins égal au demi-diamètre de la Lune. Contournant alors le hangar, ils virent dans le noir, la nuit était venue, un cercle brillant d'une couleur gris-blanc. Les branches environnant le site brillaient aussi de la même manière. S'approchant de plus près, Monsieur et Madame Johnson touchèrent la surface circulaire. Elle n'était pas chaude, mais au toucher, la texture du sol leur parut étrange, comme si le sol était cristallisé. Madame Johnson sentit tout aussitôt que ses doigts étaient devenus gourds. Elle frotta alors sa main contre sa jambe pour tenter de dissiper cet engourdissement, mais la partie de la jambe
où elle s'était frottée devint aussitôt insensible comme le bout de ses doigts. Elle a comparé cette insensibilisation à une anesthésie locale. Monsieur Johnson éprouva la même sensation après avoir touché le sol. Cet état dura 15 jours en ce qui concerne Madame Johnson. Quant à son mari, ce fut un peu plus court. L'enquête officielle commença le 3 novembre dans l'après-midi. Le cercle était encore parfaitement visible et avait à peu près 2,50 mètres de diamètre à l'intérieur et à l'extérieur de l'anneau. La terre était mouillée par des pluies récentes, mais la surface de l'anneau lui-même était sèche et de couleur plus claire. La largeur de celui-ci était de 0,30 mètres. L'objet avait cassé un arbre mort, soit au moment de l'atterrissage, soit à celui du décollage, et avait, semble-t-il, cassé également la branche d'un arbre bien vivant à l'atterrissage. Cette branche brisée présentait d'étranges caractéristiques, cassantes comme si elle était morte depuis longtemps, mais encore verte dans le haut sous le feuillage, alors que le bas était effeuillé et paraissait comme calciné. Le 2 décembre, soit un mois après l'atterrissage, l'anneau restait parfaitement visible sous la neige, bien que le sol environnant fût boueux et détrempé. Il fut constaté que si l'on retirait la neige sur n'importe quelle partie de l'anneau, le sol au-dessous était sec et marron clair. Une expérience fut tentée. Après avoir retiré toute la neige d'un secteur de l'anneau, le sol fut arrosé abondamment et curieusement, celui-ci se montra parfaitement imperméable. Un échantillon de sol fut prélevé. Il contenait une grande concentration de substance blanchâtre. Cette substance était apparente partout sur l'anneau à découvert. Mais il n'y en avait trace ni à l'intérieur, ni. Mais il n'y en avait trace ni à l'intérieur du cercle, ni à l'extérieur. Il est à noter que le chien des Johnson évita l'anneau durant plusieurs jours, d'après l'enquête de Ted Phillips. Le 5 janvier 1975, Yvon Vildier, un écolier de 13 ans domicilié à L'Aulne, petite commune du département de la Manche, affirme avoir observé à moins de 200 mètres de chez lui un objet lumineux qui s'est presque immédiatement élevé dans les airs. Des traces ont été découvertes le lendemain matin à l'endroit exact où le jeune témoin avait dit avoir vu l'engin. Alerté, la gendarmerie de l'Essé a ouvert une enquête et procédé aux constatations habituelles. Ce soir-là, nous a raconté Yvon Vildier, je suis sorti vers 19h dans la cour de la ferme, il faisait nuit. À 150 mètres environ, droit devant moi, j'ai tout de suite vu à travers et un peu au-dessus des feuillages d'une rangée d'arbres, un engin éclairé dont la partie haute, nettement visible, était en forme de demi-sphère et comportait un hublot d'où émanait une puissante lumière de couleur jaune clair. Presque aussitôt, Yvon Vildier voit l'engin décoller. Il s'est élevé progressivement en tournant sur lui-même, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. L'observation a duré très peu de temps, peut-être 30 secondes, estime Yvon Vildier. Le lendemain matin, Yvon Vildier se rend dans le champ où il affirme avoir vu l'engin. Il y découvre des traces suspectes situées non loin de l'entrée et en bordure d'une haie. Ces traces se composent de 6 empreintes, 3 de forme grossièrement rectangulaire de 8 cm de long et 4,5 m de large. Leur profondeur est de 7 cm environ et 3 autres de forme grossièrement circulaire d'un diamètre moyen de
7 cm et profonde de 3 cm environ, en quête du GEPA. Le lundi 10 février 1975, un lycéen M.C. qui se trouvait dans un autocar roulant sur la D67, route de Saint-Donat-Chanot-Curson, observe à la hauteur de Saint-Bardou un objet de forme ovoïde de couleur blanche se découpant sur les Alpes. Il suivait une trajectoire nord-sud. L'objet se démultiplia en 4 autres objets de même forme alors qu'il accélérait son allure. Le 5 février 1977, on pouvait lire dans les colonnes du quotidien Le Provençal Erag. Ce soir-là, 8 jeunes filles âgées de 14 à 16 ans, pensionnaires de la maison familiale, quartier de Beauchamp à Erag, apercevaient de leur fenêtre un engin étrange qui évoluait à proximité des bâtiments et au-dessus des arbres, à quelques 20 mètres de hauteur. Durant une quinzaine de minutes, ces adolescentes ont pu observer l'OVNI en forme de demi-sphère d'un diamètre de 60 à 70 cm, dont le pourtour était très lumineux. Il y a moins d'un mois, 5 personnes avaient également assisté aux évolutions dans le ciel des Ragues d'une demi-sphère du même gabarit. Entourée de lumière rouge, orangée et blanche qui tournoyait, avant de disparaître, l'engin avait été observé durant un quart d'heure environ par les témoins. Comme nous venons de le voir à la lecture de ces témoignages, l'enfant est très souvent lié au phénomène OVNI. Mais la plupart des ufologues se contentent seulement d'évoquer les manifestations de soucoupes volantes ayant pour témoins des enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que le but des spécialistes de l'ufologie est de prouver l'existence matérielle des ovnis. Les témoignages d'enfants leur posent un problème car il semble acquis que l'on accordera beaucoup plus d'intérêt à l'aventure d'un adulte ayant de solides références sociales. Convaincre la science officielle de l'existence physique des ovnis, voilà qui peut paraître sourire lorsqu'on sait, avec les dernières recherches, que de nombreuses manifestations d'objets volants sont indéniablement liées à des phénomènes paranormaux. Pierre Delval, directeur de la revue Uranos, affirmait récemment: on rassemble sous le vocable OVNI toute une multitude de phénomènes extrêmement divers et dont les seuls points communs sont l'observation d'une manifestation à caractère lumineux et inexpliqué. Il semble pratiquement certain aujourd'hui que des phénomènes OVNI sont confondus avec des manifestations de cet ordre manipulées par des forces inconnues mais d'origine humaine, c'est-à-dire créées inconsciemment par l'homme et parfois même probablement provoquées volontairement par des groupes d'individus. L'étude des facultés et pouvoirs mal connus du cerveau humain autorise à présent d'avancer qu'il est possible à l'homme d'extérioriser des masses d'énergie de nature bioélectromagnétique. Il a même été parfois observé que ces masses d'énergie, en raison des réactions psychiques de la personne qui les observe et qui se trouve inconsciemment, le plus souvent à l'origine du phénomène, peuvent être en quelque sorte modelées par la pensée de l'individu qui en est la source. En fonction, par exemple, de ses fantasmes ou ses archétypes, ou encore, en d'autres termes, par tout ce qui paraît correspondre à quelque chose de profond chez l'individu. D'aucuns rétorqueront que dans certains cas cités précédemment, l'apparition a laissé d'importantes traces matérielles prouvant sa réalité physique. Les marques imprimées sur le sol ne sont pourtant pas une preuve suffisante. En parapsychologie, de nombreuses expériences nous ont prouvé qu'un sujet médium, c'est-à-dire dans l'état de transe qui favorise le phénomène psy, pouvait créer par sa seule suggestion des matérialisations qui peuvent rester longtemps visibles. Pour exemple, citons le cas d'un médium de 17 ans,
George S. Il posa sur son bras dénudé une règle de bois et l'identifia mentalement à un fer chauffé à blanc. Il la retira tout à coup en poussant un hurlement. Une brûlure de 10 cm barrait son avant-bras. Les témoins de cette expérience purent constater la réalité de cette blessure qu'il fallut soigner médicalement comme une brûlure ordinaire. Pour les personnages qui n'avaient pas assisté au phénomène, les marques que l'adolescent portait sur le bras prouvaient une seule chose, la chair avait été quelques instants en contact avec un objet brûlant. Pourtant, comme nous l'avons vu, la cause était tout autre. De même, dans certains cas, les traces laissées sur le sol après l'apparition d'un ovni ne prouvent rien. Les enquêteurs sont témoins des traces, pas du phénomène. Quant aux enfants ayant vu apparaître une forme lumineuse, ne pourront jamais certifier la réalité de l'apparition. Pas plus qu'un enfant impliqué dans une hantise ne peut certifier la réalité physique des coups dans le mur ou du déplacement d'un objet. Certains chercheurs ont tenté d'établir une relation entre les phénomènes de hantise avec Paul Stargeist, coup frappé, et les observations d'OVNI, J.A. Kell. À la suite d'enquêtes minutieuses, a remarqué que dans certains cas, impliquant souvent des enfants, les apparitions d'OVNI étaient précédées, plusieurs mois à l'avance, de phénomènes de poltergeist dans le même secteur. Kell rapporte un fait qui s'est déroulé le 12 décembre 1967 à Ithaca, New York. Madame Rita Mallet se rendait dans sa famille en compagnie de sa fille âgée de 5 ans. Aux environs de 19h, elle nota qu'une lumière rouge semblait apparemment la suivre. Elle pensa tout d'abord qu'il s'agissait d'une voiture de police et n'y prêta pas plus d'attention. Mais elle s'aperçut vite que cette lumière était attenante à un étrange objet, comme un disque de la taille d'une petite voiture. Avec un dôme à sa partie supérieure, elle se déplaçait sous les lignes électriques situées sur sa gauche. Tout à coup, l'objet sortit de son champ de vision et s'en fut atterrir dans un pré au bord de la route. Alors, un faisceau lumineux jaillit de l'objet, puis Madame Mallet commença à entendre des voix. Ces voix, dit-elle, citèrent tout d'abord le nom d'une personne que je connaissais et m'avisèrent qu'en ce même temps, mon ami avait un accident à des kilomètres de là. Selon Madame Mallet, ces voix indiquèrent que sa fille, qui était demeurée tout ce temps comme dans une espèce de transe, ne se souviendrait de rien. Le disque commença à se mouvoir, puis tout redevint normal. Ce qu'est rapporté par Kell dans l'ouvrage précité présente un phénomène de précognition par le truchement d'une vision ovni. Il fut effectivement prouvé ultérieurement que l'ami en question avait eu un accident aux environs de cette heure-là. Uranos. L'incident raconté par J.A. Kell fait intervenir un autre aspect du paranormal, la clairvoyance. Là aussi, les ufologues pêchent par sectarisme. S'ils poussaient un peu plus loin leur investigation, notamment à la suite de témoignages d'enfants, ils auraient la surprise de découvrir tout un environnement paranormal accompagnant les manifestations. Poltergeist, télékinésie, voyance immédiate,
apparition de marques sur le corps, brûlures, stigmates, odeurs particulières, manifestations d'objets ou de personnages, auditions de voix mystérieuses, soi-disant venues d'autres espaces, sans oublier les symptômes psy classiques, paralysie momentanée, éblouissement, panne d'électricité, montre arrêtée. Selon les croyances et les références culturelles des témoins, les habitants du fameux OVNI seront de nature angélique ou diabolique. Nous avons vu dans le chapitre précédent, en étudiant l'une des dernières disparitions mystérieuses, que pour l'enfant, le pseudo-OVNI avait la forme d'une locomotive lumineuse et que ses habitants ressemblaient tous point au petit personnage. Que ses habitants ressemblaient à tout point au petit personnage des contes de fées. Là encore, la prétendue apparition d'OVNI était une création de l'inconscient. Ainsi, un certain nombre d'apparitions inexpliquées paraissent être dues à la suggestion télépathique ou bien à la projection des perceptions extrasensorielles. Mais lorsque l'on parle de matérialité de l'apparition, il faut être très prudent. Il ne s'agit aucunement de la matière au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire d'une réalité physique facilement démontrable. Cette matière provoquée par l'enfant serait plutôt une énergie qui aurait le pouvoir de prendre n'importe quelle forme. Selon les désirs inconscients du témoin, il y a quelques années, à Pau, quatre personnes observent la fusion de deux sphères bleutées en une seule. Ce qui fait dire à Fernand Lagarde, les objets en forme de boule ne sont pas des objets matériels au sens que nous donnons généralement à ce mot. Voilà ici qu'elle s'interpénètre et le volume augmente, comme si l'objet était un plasma. Dans un autre cas, le disque lumineux observé en pleine matinée pénétra la roche, ce qui ne l'empêcha pas d'en sortir sans dommage pour s'élever de nouveau dans les airs. Une fois encore, la réalité physique de l'apparition se trouve sérieusement remise en question. Dans de nombreux cas d'apparition d'OVNI signalés par des enfants, l'objet volant n'est rien d'autre qu'une manifestation de cette énergie psy provoquée par l'inconscient du jeune témoin. La forme de ces manifestations dépend souvent des archétypes et des fantasmes qui habitent l'enfant, comme le démontre cette enquête réalisée par la revue des soucoupes volantes. Le 7 novembre 1973, il est 19h30. 10 enfants de 7 à 12 ans jouent au ballon sur un parking situé en bordure de ville. C'est alors qu'ils aperçoivent un phénomène lumineux au loin. Une boule rouge descend du ciel en grossissant, semblant se diriger vers le lieu dit le fief. Une discussion s'engage entre les jeunes témoins. Les curiosités l'emportent. Tout le monde veut aller voir de plus près de quoi il retourne. Il s'approche du phénomène qui, de loin, ressemble à un début d'incendie. Ils sont maintenant à moins de 35 à 40 mètres de... Et leur stupéfaction est grande car le spectacle est impressionnant dans un silence imposant. Ils voient une chose bizarre, une sorte de soucoupe volante de 5 à 6 mètres de diamètre, ayant une forme ovoïde surmontée d'un dôme. Au sommet du dôme clignote une intense lumière rouge circulaire. Dans le dôme lui-même, une lumière jaune orangée est diffusée par deux hublots carrés. À la base du corps ovoïde de l'engin, il voit nettement une sorte de porte carrée fermée. Tout le corps ovoïde émettait une lumière d'un blanc métallique. L'engin reposait sur trois pieds. Les jeunes témoins
observe la scène depuis 10 minutes environ lorsqu'il voit distinctement les trois pieds supportant l'engin se replier progressivement sous le disque vers l'intérieur. Les enfants ont encore le temps de voir que les extrémités des trois pieds sont garnies de trois semelles rondes qui étaient vraisemblablement en contact avec le sol. Tout en effectuant cette manœuvre, l'ovni s'élève en silence, décrit un léger mouvement hélicoïdal, puis disparaît pour ne devenir qu'un lointain point rouge. Notons qu'au cours de l'enquête, les enfants seront formels. L'engin n'avait que trois pieds terminés par des semelles rondes. Et pourtant, sur le terrain, les enquêteurs découvriront quatre traces carrées disposées dans les angles d'un carré approximatif. Dans un carré approximatif de 4 à 5 à 4, 4 de, dans un carré approximatif de 4 à 4,5 50 mètres de diamètre. Sur le terrain, les enquêteurs découvriront 4 traces carrées disposées dans les angles d'un carré approximatif de 4 à 4,50 mètres de côté, envisagées sous l'aspect d'une visite extraterrestre. Cette observation ne représente qu'un tissu d'invraisemblance. Pourquoi ce cinéma ou cette interprétation? Trois pieds ronds ou quatre traces carrées? Sous l'angle d'une explication psychologique et parapsychologique, l'affaire de Fourmi prend une toute autre explication. Depuis les travaux de C.G. Jung, nous avons appris que les chiffres 3 et 4 sont des symboles clé de la psyché humaine. L'unité est représentée par un cercle et les quatre éléments par un carré. À Fabrègue, le 6 décembre 1973, l'apparition porte, elle aussi, les mêmes symboles inconscients. Il est 19h, deux jeunes gens circulent en vélo moteur lorsque leur attention est attirée par une forte lumière, une sorte de projecteur qui éclaire une petite chapelle située à proximité de la route. Ils décident alors de laisser là leur vélo moteur et de continuer à pied pour observer de plus près cet étrange phénomène qui se manifeste à une trentaine de mètres devant eux, devant la chapelle posée sur trois pieds, repose un ovni. C'est un objet ovoïde surmonté d'une coupole. Dans la coupole, une porte s'ouvre. Il en sort une échelle qui se déplie progressivement jusqu'au sol. La couleur de l'objet évoque celle de l'aluminium. Devant ce phénomène étrange, les jeunes gens prennent peur et décident de rebrousser chemin afin d'aller chercher d'autres témoins. De retour à Fabrègue, ils racontent leur aventure et reviennent sur les lieux avec trois autres jeunes gens, eux-mêmes suivis par deux voitures transportant cinq adultes à la suite de l'arrivée de ce bataillon de choc. L'objet décolle devant eux et tous distinguent nettement l'ovni et sur trois pieds. Intrigués par tant de mystères, les témoins examinent alors attentivement le site d'atterrissage. Le sol est brûlant et ils aperçoivent quatre traces rectangulaires disposées en carré. Comme dans l'observation de fourmis, tous les témoins ont vu trois pieds et que c'est l'empreinte de quatre traces rectangulaires au carré qui reste sur le sol. Dans la plupart des cas, la matérialisation de ce que l'on appelle ovni provoque chez l'enfant une modification des facultés psychiques. Le voici comme chargé d'une énergie qui ne le quittera plus et se manifestera de temps à autre à travers les phénomènes psy classiques, poltergeist, clairvoyance, etc. Lorsque les enfants commandent aux ovnis,
Dans certains témoignages d'enfants, l'OVNI n'est pas une forme indépendante, douée d'une action autonome. Il est en relation directe avec l'inconscient du témoin qui vient de réaliser le miracle de la matérialisation. L'apparition épousera les impulsions mentales de l'enfant, apparaissant ou disparaissant selon que l'enfant désire ou doute de la réalité du phénomène. Encore une fois, tout cela se passe dans l'inconscient du témoin qui croit voir un objet matériel se déplacer sous ses yeux. Comment accepter en effet, avec notre raison bien humaine, qu'un objet présent il y a un instant n'y soit plus l'instant d'après, ou bien que là où il n'y avait apparemment rien surgisse tout à coup quelque chose venu de nulle part? Jean-Jacques Jaya présente dans la revue des soucoupes volantes plusieurs de ces cas où l'apparition répond aux impulsions du témoin. Le samedi 8 mai 1976, Philippe B. se promenait avec quelques camarades de son âge dans la belle forêt de Montargis, dans le Loiret. La nuit était déjà bien avancée, le jeune homme regardait le ciel lorsque soudain apparut brutalement sous ses yeux, qu'il n'avait pas baissé, un objet invraisemblable. Un rectangle rouge au contour bien net, non éblouissant, se détachant parfaitement sur le ciel étoilé. Et il me dit, c'est incroyable, il n'y avait rien. Et puis, il y avait quelque chose. En 1951, près de Moncy-Règne, en Vendée, un jeune homme à bicyclette se voit soudain précédé par une grosse boule jaune-orangée au reflet violet. À 1,50 m au-dessus de la route, qui, par moments, fait demi-tour et fonce sur lui. Au bout de 500 mètres, elle s'éteint spontanément sous ses yeux. Le témoin déclare aux enquêteurs, je la regardais, je la fixais, tout le temps, et elle disparut sur place, sans que je sache où elle était passée. Le vendredi 14 mai 1976, à Montargis encore, un témoin RVH suit dans le ciel le vol d'un avion de ligne. Il est 10h55 du matin. L'observation a donc lieu en plein jour et sur un fond d'azur parfait. Soudain, sous l'avion, apparaît tout à coup un disque d'aspect métallique resplendissant au soleil, d'abord observé par la tranche, il se déplace ensuite de face et son contour circulaire est alors nettement visible. Ses dimensions sont énormes comparées à celles de l'avion qui s'éloigne à haute altitude. Le témoin n'a pas le temps de prévenir qui que ce soit, car le disque disparaît sur place. Citons, dans le cadre de ces matérialisations spontanées, un cas extrêmement rare et pourtant bien réel, appartenant sans doute à la même gamme de phénomènes. Au cours des vacances scolaires de Pâques 1976, un jeune garçon observa en présence de sa sœur, non loin de Vendôme, en Loir-et-Cher, une magnifique pleine lune présentant même la forme de ses mers, alors que celle-ci n'était pas visible à la date indiquée. Pour Jean-Jacques Jaya, il va de soi que la matérialité du phénomène OVNI est remise en question à partir du moment où l'on constate la matérialisation, les matérialisations et dématérialisations, les changements de forme, la traversée sans dommage par les ovnis d'obstacles pour leur part bien solides. Avec l'énumération de ces particularités, nous avons reconnu les divers aspects que prend l'énergie psy lors de sa manifestation. Cette énergie malléable, dont la forme varie selon
l'inconscient du sujet semble être toujours identique, que ce soit dans les phénomènes de hantise, de matérialisation d'objets, de hantise sonore, d'apparition d'ovni. Nous sommes encore et toujours en présence d'une énergie aux mille visages. Ces multiples aspects ne surgissent pas du néant. L'inconscient de l'enfant est construit selon la même mosaïque mystérieuse. Comme pour les manifestations paranormales classiques, les enquêteurs ont pu cerner plus avant la personnalité des jeunes témoins. Là encore, il s'agit d'enfants vivants des conflits émotionnels importants, soumis à un intense mouvement d'imagination, isolés, repliés sur eux-mêmes. Dans d'autres cas, pourtant, le témoin n'est pas un individu, mais un groupe. On a remarqué que dans les phénomènes collectifs, tous les témoins se connaissent ou étaient reliés entre eux par un support commun, même école, jeu semblable, etc. Là non plus, l'apparition n'est pas un hasard. Elle dépend des facteurs émotionnels profonds, rapport affectif et rivalité de jeu, complexe d'infériorité par rapport au groupe. Le témoignage le plus étonnant est celui d'un groupe d'adolescents de Wooler au Canada qui provoquèrent l'apparition d'une forme lumineuse, la forme appelée OVNI par les journalistes. À la suite de cette manifestation, ils furent régulièrement les sujets d'une série de phénomènes de hantise. Vitres brisées par une main invisible, coups frappés dans le mur de leur chambre, déplacement d'objets. OVNI sous hypnose. Les rêves prémonitoires, bien connus en parapsychologie, sont parfois liés aux apparitions d'OVNI, comme nous allons le voir avec le témoignage suivant présenté par les enquêteurs de la revue UFO. Ces exemples paranormaux anticipant la matérialisation appelée à tort OVNI nous ramènent une fois de plus au fondement de notre étude. Les aspects multiples de la perception extrasensorielle chez certains enfants. Ces faits ont été rapportés par le révérend père monsieur par le révérend père M, aumônier d'une base aérienne en France. Âgé d'une cinquantaine d'années, le père M s'intéresse vaguement au phénomène OVNI. Il pratique depuis de longues années l'hypnotisme dans un but médical. Ses nombreux voyages ont fait de lui un homme extrêmement cultivé. Les événements, il débute lors d'une séance d'hypnose menée par le père M au cours du mois de février 1974 à Orange. Un garçon de 14 à 15 ans endormi fait un étrange récit sans qu'aucun ordre ne lui soit donné. On comprend qu'il parle d'un prochain voyage d'OVNI dans la région et qu'il s'agit même d'un atterrissage. Cependant, le sujet n'indique pas les lieux de date et d'heure. Il ajoute seulement que cela se produira du fait de la période de pleine lune. La séance prend fin. Le père M, assez troublé par ses déclarations, rencontre le lendemain une de ses amies, professeur d'allemand dans un lycée d'Orange. Il lui propose de l'endormir afin d'obtenir des compléments d'informations sur quelque chose qui le trouble. Mais, et c'est très important, il ne précise aucune donnée. Une fois son ami endormi, il lui demande de donner des renseignements et le sujet déclare que dans 3 jours, entre 23 et 24 heures, à Saint-Gilles, doit se produire un atterrissage de plusieurs ovnis. Bien que précisant la localité, le professeur ne peut situer le lieu exact. Toutefois, Saint-Gilles est une petite localité et si quelque chose doit se passer, pense le révérend père, on le remarquera. Cette fois, le père commence à croire
à ce qu'il a entendu et il décide de se rendre en voiture à Saint-Gilles le jour prévu, à l'heure indiquée, avec une équipe de 7 personnes, adultes et adolescents, excepté les deux sujets hypnotisés. Il fait très froid, un vent fort souffle, le ciel est dégagé et très clair, c'est la pleine lune et l'on voit bien les étoiles. Les témoins ont avec eux un appareil photographique et des jumelles. Ne sachant pas où se placer, ils décident de se poster sur une colline dominant Saint-Gilles et les environs. Ils se relaient à tour de rôle pour surveiller le ciel, les autres restant dans le véhicule en raison du froid. Puis, aux environs de 23 heures, un phénomène insolite apparaît dans le ciel au sud-sud-est. Toute l'équipe observe alors une grosse boule bleue électrique qui descend lentement en décrivant une courbe régulière de la taille d'une très grosse étoile. Son contour est flou et seule une fluorescence semble l'englober. L'objet est très lumineux et se voit nettement. Sa couleur est très belle, si indescriptible que les témoins en sont impressionnés. Chronique des matérialisations observées par des enfants. Si les ufologues n'insistent jamais longtemps sur les témoignages d'enfants en matière d'ovnis, ces témoignages existent pourtant en grand nombre. À partir de cette multitude de récits, parfois plus ou moins vraisemblables, des enquêteurs sérieux, après avoir étudié la psychologie des jeunes témoins, ont pu regrouper les cas d'apparition qui leur semblaient vraiment dignes d'intérêt. Témoignage de matérialisation. 29 octobre 1954, Mesples. 7h45. Le jeune Coubret, 14 ans, qui se rendait au CEG d'Uriel, fut poursuivi par un disque tournoyant de 1 mètre de diamètre, se tenant verticalement sur la tranche. Observation souvent rapportée. Un atterrissage aurait pu avoir eu lieu. Centre matin du 30 octobre 1954. Août 1969. Vichy QC, 2h30. Au début du mois, le témoin, un jeune enfant, observa une boule rouge auréolée de verre qui se déplaçait sur une trajectoire rectiligne et effectua un arrêt de quelques secondes. LDLN. 8 juillet 1975, Ripley, 19h30. Pendant 8 minutes, la jeune Zachary et ses parents virent un objet brillant, teinté de jaune orangé. L'objet, de la forme d'un triangle aplati, se balançait puis changea de forme pour devenir elliptique. Il se mit alors en mouvement, puis disparut à grande vitesse derrière le mont Granier. 8 juillet 1975, Gap, 20h30. Une monitrice, Mademoiselle Homo, et quelques enfants se trouvaient sur la terrasse d'un foyer lorsque leur attention fut attirée par une tache allongée et lumineuse, légèrement jaunâtre. Cette tache se déplaçait à environ 400 mètres des témoins, puis le phénomène se stabilisa quelques instants avant de s'éloigner après 10 minutes d'observation. 5 janvier 1976, domaine, 18h. En coupant à travers champs pour se rendre chez lui, le jeune J.C. Silvante entendit un sifflement, puis vit un objet conique émettant des couleurs vives. Un homme aux cheveux jaunes en est sorti et lui a tendu les bras. Apeuré, l'enfant s'enfuit. 6 mai 1976, domaine, 18h. Deux fillettes, Anne-Marie Armeniz et Caroline Hinojo,
observe à une centaine de mètres d'elle une soucoupe de forme ovoïde de couleur brillante et blanche. L'objet se trouvait en suspension au-dessus du sol. L'enfant s'enfuit après une dizaine de secondes d'observation. 8 janvier 1976, domaine 20h45. Flânant dans la cour de son habitation, François Hinojo, 17 ans, voit un point rouge lumineux dans le ciel venant de l'ouest après avoir contourné des immeubles lui cachant la vue. Le témoin se trouve à 50 mètres environ d'un objet phosphorescent et haut comme une maison de deux étages. Saisi de frayeur, le jeune homme s'enfuit. 23 novembre 1974, Clérieux, Drôme, 2 heures. Une lycéenne observe un objet de forme ronde et de couleur feu qui, par quatre fois, décrivit un arc de cercle au-dessus et en arrière du bois de la houlette. Enquête figuée. Figuée. Enquête figuée. Mars 1966, Hamilton, Ontario. Charles Causin, 13 ans, déclare à la police qu'il avait vu ce soir-là tomber dans un champ non clouté deux objets lumineux assez petits. Il s'était dirigé vers eux, poussé par la curiosité, et il affirme qu'il s'en approcha de très près et toucha la surface de l'un d'eux afin de voir à quoi cela pouvait ressembler. Ce n'était pas chaud, mais paraissait lisse à un point inhabituel. L'un des deux petits objets en forme de deux petits pains au lait possédait à une extrémité un prolongement que le jeune garçon estime avoir pu être une sorte d'antenne. Il le toucha et sa main fut violemment repoussée, tandis que dans l'air, une étincelle jaillissait de l'extrémité du prolongement. Dr. James E. MacDonald, professeur de météorologie, OVNI, 30 ans de silence. L'autre monde, hors série numéro 1. Mars 1968, Billsville, Ohio. Ohio. Un jeune garçon fut victime d'assez légères brûlures de la peau à la suite d'un incident de nature déconcertante. Gregory Wells venait de quitter le seuil de la maison de sa grand-mère pour se diriger vers la caravane de ses parents, qui se trouvait à quelques dizaines de mètres de là, lorsque sa grand-mère et sa mère entendirent des cris et le trouvèrent en train de se rouler sur le sol, son veston en flammes. Après avoir reçu des soins à l'hôpital voisin, il décrivit à ses parents, aux adjoints du shérif et à d'autres personnes que ce qu'il avait vu. Il s'agissait d'un objet de forme ovale portant un certain nombre de lumières qui planaient au-dessus des arbres et traversaient la grande route en venant de l'endroit où le garçon se trouvait. Un appendice ressemblant à un tube était sorti d'un endroit situé au centre de la base de l'objet et pivotant avait décrit un cercle puis lancé un éclair qui avait coïncidé avec l'inflammation du veston de l'enfant. Ce dernier venait juste de se retourner pour s'éloigner. Aussi la brûlure atteignait-elle le revers de son bras. L'autre monde hors série numéro 1. Juin 1977, Clermont-Ferrand, 19h. Le jeune Frédéric S., 12 ans, jouait dans son jardin lorsqu'il vit à la verticale au-dessus de lui un objet circulaire de couleur rouge-orangé. L'objet clignota, puis disparut aussitôt sans s'être déplacé dans le ciel. L'enfant rêva la nuit suivante que l'objet mystérieux lui apparaissait de nouveau. Le 12 juin 1977.
Clermont-Ferrand, 12 heures. Plusieurs témoins aperçurent un objet de couleur vive traversant le ciel au-dessus de la gare routière. Curieusement, l'école du jeune Frédéric S. se trouve à proximité du lieu de l'apparition. Auvergne Magazine. 28 octobre 1971. Canada, 17h30. Il était 17h30 lorsque Mademoiselle Waret prit l'autobus à Sainte-Thérèse dans le comté de Terrebonne, sur le boulevard Sainte-Rose, en direction du nord. C'est alors qu'elle observa un objet allongé de couleur blanche, parfois or. L'objet suivit l'autobus tout au long du parcours. À sa descente, il y était encore, mais cette fois, légèrement penché au-dessus de la station de l'Hydro-Québec. Inquiète de ce spectacle insolite, elle avertit ses amis et ils furent alors six témoins à observer ce phénomène. L'objet semblait avancer très lentement, se penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, puis après quelques minutes, il finit par disparaître. L'observation dura jusqu'à environ 18h. Il était 18h15 lorsque tout le domaine de la promenade ainsi que la montée Sanche manquèrent d'électricité. La panne dura de 15 à 20 minutes. Claude Macduff. juin 1977. Scott City. Pam Kribil, âgée de 17 ans, et son amie Renita Wilson affirment avoir vu le 15 juillet quelque chose qui ressemblait à un petit soleil. En rentrant chez elle, après avoir assisté à un match dans la ville voisine de Scott City, il paraissait se mouvoir par saccades, avançant très rapidement et s'arrêtant soudainement. Il pouvait se déplacer dans toutes les directions, y compris vers le haut et vers le bas. Rapportant Pam, nous l'avons aperçu sur à peu près 25 km durant notre trajet, et juste avant qu'il ne disparaisse, son éclat rouge et orange devint de plus en plus brillant. janvier 1976, domaine Isère. Un jeune garçon, JCS, 10 ans, jouait avec plusieurs de ses camarades au lieu dit La Morte. Vers 18h, il perçoit un sifflement et, se retournant, aperçoit dans les broussailles un engin illuminé de plusieurs couleurs et posé au sol sur 5 pieds. Une porte s'ouvre, un homme très grand aux cheveux longs court vers le témoin en lui tendant les bras. Le jeune garçon s'enfuit et rentre chez lui terrorisé. Dauphiné libéré. Le 6 janvier 1976, domaine Isère, 20h30, 21h. Mademoiselle A voit de la cour de son immeuble une forme de ballon de rugby d'une couleur très brillante, stationnaire à 1,50 m environ du sol, n'émettant aucun bruit. Prise de peur, l'enfant est rentré rapidement chez elle. Observation corroborée par Mademoiselle M.
L'homme en noir. Certaines légendes du folklore européen parlent d'un étrange visiteur vêtu de noir dont l'apparition apporte toujours la mort ou la maladie. Bien souvent, les témoins furent des enfants ou des adolescents surpris par la nuit aux abords de leur domicile. Personne n'a jamais pu prouver la réalité de cet homme en noir, mais il semble qu'il appartienne bien plus aux profondeurs de notre inconscient qu'au monde physique dans lequel nous vivons. Toutes les superstitions lui confèrent des pouvoirs diaboliques et font de lui une sorte d'initiateur maudit, apportant à l'homme de terribles révélations et signant avec lui un pacte pour l'enfer. En 1667, la jeune Isabelle Goudy rencontra dans les collines près de son domicile, selon ses révélations, un homme porteur de vêtements sombres qui l'initia à la sorcellerie dans l'église en ruine d'Oldirne. Depuis cette rencontre, elle avait, dit-elle à ses confesseurs, le pouvoir de se transformer en lièvre ou en chat et de prédire l'avenir. Elle fut brûlée pour sorcellerie. Elle fut brûlée pour sorcellerie en 1662. L'apparition de l'homme en noir fut pour Isabelle Goudy la découverte des facultés extrasensorielles. Mais au XVIIe siècle, de tels pouvoirs conduisaient droit au bûcher, au nom de la très sainte Inquisition et des dogmes de sa religion d'amour. Société luciférienne d'aujourd'hui par Jean-Paul Bourg. Derrière les croyances populaires se cache toujours, nous l'avons souvent vu, une part de vérité. Dans le cas de l'homme en noir, la réalité appartient au monde des symboles et des fantasmes humains. Que représente cette image de l'inconscient collectif? Un homme vêtu de noir, c'est-à-dire couleur de deuil, de mort et de mélancolie. Il est l'ange de la mort, l'annonciateur des malédictions, l'homme à la faux, celui qu'on craint et qu'on refoule au plus profond de soi, dans l'anonymat du subconscient. Chez les enfants, cette terreur atteint parfois un tel degré, une telle puissance émotionnelle qu'il suffit d'un déclic pour que le refoulement devienne une énergie de départ. Mais pour déclencher une telle action, il faut bien sûr que le subconscient ait un motif. Ce motif, dans toutes les manifestations paranormales, c'est le désir caché, l'obscure volonté qu'on n'ose pas avouer ni regarder en face. La plupart des enfants ayant aperçu cet homme en noir offrent une psychologie toujours semblable, une attirance trouble pour le morbide, pour les impulsions négatives, pour ce qui les terrifie. Un besoin suicidaire peut-être. Je me souviens d'un cas assez significatif. Une mère de famille avait surpris son fils de 10 ans et sa fille qui devait avoir 12 ou 13 ans dans les bras l'un de l'autre enlacés bien innocemment. Choquée par ce spectacle auquel elle attribuait on ne sait quelle déviation, elle s'écria « Vous irez tous chez le diable ». Cette petite phrase devait marquer profondément son fils, sans rien savoir du mécanisme secret qui travaillait sa psychologie. Il allait pourtant vivre avec ce fantasme, se croyant relégué au rang des hérétiques et des bannis. Ainsi, à 14 ans, il avait des hallucinations et affirmait voir un diable noir pratiquant. Il affirmait voir un diable noir dansant sous ses yeux. À 20 ans, il s'intégrait à une secte pratiquant le satanisme, fit un séjour en hôpital psychiatrique et eut bien du mal pour arracher de sa tête cette image devenue l'un des fondements de son existence. Le symbole de l'homme en noir, ancré dans la mémoire humaine depuis la nuit des temps, n'a pas d'autre origine.
Il représente les terreurs ancestrales, les peurs primitives de l'homme antique en combat permanent contre les dieux et les démons enchaînés aux esprits de la nuit, sous la dépendance de forces terrifiantes. Nos croyances ne sont plus les mêmes, mais dans notre inconscient, ces images-là n'ont pas disparu. Il suffit d'un déclic particulier, d'un affaiblissement de nos systèmes de défense intérieure pour qu'elles surgissent et, dans certains cas, deviennent des entités réelles, provoquées et créées pour nous, et créées par nous-mêmes. L'une des plus récentes de ces apparitions d'hommes en noir remonte au 20 février 1968. Il eut pour témoin une adolescente de 17 ans, Rosita Aguardiente. C'était le 20 février et Rosita rentrait chez elle en autobus quand un homme de haute stature, vêtu d'un imperméable ciré noir, vint s'asseoir auprès d'elle. Je remarquai, dit-elle, qu'il avait une peau olivâtre et des yeux légèrement bridés. Je ne sais pourquoi j'en eus peur. Il émanait de lui quelque chose de sinistre. Lorsque je descendis, il me suivit, nous avions presque atteint la campagne, alors je sentis dans mon esprit comme une confusion, puis je ne sus plus rien. Lorsque je me réveillai, j'étais en rase campagne, les vêtements en désordre, puis en faisant les premiers pas, je butai contre une petite boîte que je ramassai et mis dans mon sac. Rosita Aguardiente dénonça le fait à la police qui le définit comme tentative de viol, mais quelques jours après, on dut tout revoir de l'affaire. La jeune fille, poussée par la curiosité, avait ouvert la petite boîte recouverte d'étranges hiéroglyphes. À peine le couvercle fut-il ouvert qu'une lumière intense, comme celle d'une torche électrique, s'échappa de la boîte. Épouvantée, la jeune fille la referma aussitôt. On établit une relation entre cet épisode et l'apparition d'un ovni dans les alentours. Selon les désirs secrets et les fantasmes de l'enfant, l'homme en noir peut apparaître sous divers aspects. Le 20 juillet 1967, France Soir et l'Est républicain relatèrent les faits suivants. À Arc-sous-Cisson, des enfants furent terrifiés par quatre créatures naines habillées de noir, d'environ 1 mètre de haut, qui se dirigèrent rapidement dans les buissons. Elles avaient la peau sombre, les yeux exorbités, et parlaient entre elles dans un dialecte étrange et musical. Ceux qui viennent d'ailleurs. Aux États-Unis, un film est en train de battre le spectaculaire record enregistré par la Guerre des Étoiles. Il s'agit de Rencontre du troisième type, tourné par Steven Spielberg. Dans le plus grand secret, l'histoire présentée par le réalisateur des Dents de la Mer est la suivante. Muncie, une petite ville de l'Indiana de nos jours. Ceci est l'histoire des gens tout à fait ordinaires confrontés avec l'extraordinaire. Tout comme le jour où Barry Carrie-Gueffet, âgé de 4 ans, est emmené à bord d'un vaisseau spatial qui le fascine plutôt qu'il ne l'effraie. Sa mère, Gillian, a cette nuit-là assisté à la rencontre. Un réparateur de câbles électriques, Roy Neary, Richard Dreyfus, aperçoit dans le ciel de Muncie, près de chez lui, des objets volants non identifiés. De cette autre rencontre naît une cascade d'événements dramatiques. Neary essaie désespérément de comprendre ce qui lui est arrivé,
mais il se heurte très vite à la consigne du secret imposée par le gouvernement fédéral qui ne semble souhaiter qu'une chose, étouffer l'affaire. Les pressions et la tension émotionnelle sont telles que Roy Neary et sa femme Ronnie Terrigar voient peu à peu s'effriter une relation conjugale déjà bien fragile, tandis qu'une commission internationale d'enquête conduite par un savant français, Claude Lacombe, François Truffaut, s'efforce de cerner les phénomènes paraordinaires et de forcer enfin le barrage des communications. Roy s'allie à Gillian et, ensemble, ils vont tenter de trouver la réponse à cet extraordinaire mystère qui les entoure. Jusqu'à ce lieu unique où se déroulera l'ultime rencontre. Sommes-nous seuls dans l'univers? Telle est la grande question soulevée par le film de Spielberg. Pour 56% des citoyens américains, les êtres venus d'un autre monde ne sont pas seulement un objet de science-fiction. 11% des Américains affirment avoir déjà été contactés. Notre propos n'est pas de prouver ici ou de contredire l'existence d'extraterrestres, ni d'attester la réalité physique de certaines rencontres. Nous avons voulu montrer qu'une grande partie de ces manifestations d'objets volants appartient en fait au domaine de la parapsychologie, surtout lorsque les témoins de ces phénomènes sont des enfants doués de facultés paranormales latentes. Pierre Vieroudi, qui a écrit un intéressant ouvrage sur les origines psychiques des ovnis, nous a confirmé lors d'un récent entretien l'importance du rapport mental existant entre le témoin et la pseudo-soucoupe volante. Je peux affirmer maintenant que 60% des témoins interrogés ont des facultés psy et qu'ils se trouvaient lors de leur observation dans des états psychologiques particuliers. Homme en noir, créature volante, humanoïde lumineux, petit être semblant sorti d'un conte de fées, anthropoïde, porteur d'un scaphandre de métal. Lorsqu'un enfant croit voir un extraterrestre, tout comme pour l'apparition de l'ovni, la forme de celui-ci dépend encore des symboles inconscients du témoin. Dans d'autres cas, on parlera d'apparition de la Vierge, de fantômes, de fées. Ainsi, le 2 septembre 1968, à Cofico, en Argentine, un enfant de 10 ans, Sola T, aperçut un être étrange mesurant 2,10 m qui planait dans l'air. Son corps émettait une curieuse lueur. Il évoluait autour d'une sorte d'engin posé au sol. Pierre Delval cite un des cas d'apparition les plus étranges survenus le 31 août 1955. Ceci se passe à Kelly aux États-Unis. Ce soir-là, vers 19h, le jeune Billy Sutton alla au puits de la ferme familiale pour boire un verre d'eau fraîche. Soudain, il aperçut un objet sphérique fortement incandescent qui se déplaçait silencieusement. L'objet atterrit quelques secondes après derrière les tables, hors de la vue du jeune homme. Ce dernier rentra chez lui et en parla à ses parents qui ne le crurent pas. Vers 20h, le chien des Sutton se mit à aboyer furieusement. Deux employés de la ferme sortirent et ne tardèrent pas à s'apercevoir une créature mesurant à peine 1 mètre qui s'approcha d'eux. La créature s'arrêta à 5 ou 6 mètres des deux hommes. La tête de l'anthropoïde nain leur parut anormalement grosse par rapport à sa taille. Ses bras étaient aussi incroyablement longs et ses mains palmées se terminaient par des griffes. Il existe des témoignages qui font état d'actions violentes de la part des apparitions. Là encore, rien d'autre qu'un mécanisme parapsychique que Pierre Vieroudi nous explique au sujet d'un pilote américain abattu par un ovni. Le phénomène ovni peut se transformer en fonction des croyances et du comportement du témoin. Si l'aviateur a un comportement agressif, l'apparition va refléter son propre comportement et le contre-attaquer. Ce mécanisme d'autodestruction ressemble assez
au choc en retour connu en magie noire. Cela s'explique par l'effet du miroir, par l'effet de miroir du comportement du témoin. Le témoin agressif renverra sa propre image. Je répète que ces cas sont extrêmement rares. On peut citer un cas semblable en Amérique du Sud où le témoin a cherché à tirer sur un ovni qui était posé au sol. Au moment précis où le témoin ouvrit le feu, il fut frappé par un rayon lumineux et trouva la mort presque aussitôt. Dans tous ces exemples, la contre-attaque de l'engin semble immédiate, simultanée. Un phénomène de feedback en quelque sorte. Il pourrait s'agir d'une énergie non encore découverte. Peut-être l'éther des anciens, le plasma psy des parapsychologues. Lors de manifestations psy sous la forme d'ovni ou d'humanoïdes, des enfants furent brûlés par des rayons lancés par des apparitions, ce que certains appellent les rayons de la peur, en s'imaginant qu'il s'agit de super énergie sortant des pistolets laser ou autres instruments inconnus des hommes, ne sont en fait qu'un phénomène paranormal supplémentaire auquel nous allons accorder une importance particulière. Certains exemples nous ont montré que ces rayons employés contre l'homme pouvaient soit détruire ou laisser sur le corps des marques longues à cicatriser, soit guérir dans le cas de maladies irréversibles, soignées immédiatement par les étranges rayonnements. Pour Pierre Viroudi, il s'agit là encore de l'aspect énergétique du phénomène, l'énergie présentant dans ces deux cas ses aspects calorifiques, magnétiques et électriques. Le rayon n'a peut-être pas d'effet en lui-même. Le jour où il s'agit d'un contexte de destruction, le rayon détruit, mais il n'y est peut-être pour rien. Tout dépend du témoin. Les événements à rapporter dans le cas qui va suivre ont pour témoin un personnage qui jouit d'une certaine réputation dans le sud-ouest de la France et son jeune fils qui est sans aucun doute à l'origine de cette curieuse aventure. La personne tenant à garder l'anonymat sera nommée Docteur X tout au long de ce récit. L'étrange aventure du Docteur X. Le 29 octobre 1968, vers minuit 35, le docteur X fut réveillé par les appels de son fils. Sans allumer, il se leva et se dirigea vers la chambre voisine. Durant le trajet, il voit des éclairs traverser brièvement l'obscurité. Arrivé dans la chambre, il aperçut son fils debout sur son lit, pointant le doigt en direction de la fenêtre. Il comprit alors que ce qu'il prenait pour des éclairs était une lumière intermittente filtrant au travers des fentes des volets. Ces éclairs étaient périodiquement stables. Il n'y prit garde sur le moment, mais en quittant la pièce, il entendit le vent qui faisait claquer un volet et, intrigué, il décida d'aller le bloquer. Il grimpa l'escalier qui conduisait à une galerie. Par les volets ouverts, il vit le paysage environnant sa demeure illuminée à travers. Il vit le paysage environnant sa demeure illuminée à intervalles réguliers. Ces éclairs de lumière étaient très puissants car ils illuminaient la vallée et les montagnes au-delà de la rivière à une distance de 3 ou 4 km. La couleur et l'intensité de l'illumination étaient pareilles aux rayonnements lunaires. Toutefois, la provenance de la lumière demeurait encore cachée. Il redescendit au premier étage et ouvrit sa propre fenêtre, toute grande. Il passa sur la terrasse et dans l'obscurité du dehors, il se détacha nettement dans le rectangle de lumière. La pluie venait de cesser. Immédiatement vers la droite, il aperçut alors deux objets similaires très lumineux, dont un paraissait plus petit et plus haut que l'autre. La forme générale ressemblait à celle à celle du cigare ou encore à celle d'objets discoïdaux vus par la tranche.
Chaque engin était constitué de deux parties superposées et symétriques. Il maintenait tout le temps une position parfaitement horizontale. La couleur de la partie supérieure était d'un blanc argenté lumineux. La partie inférieure ressemblait à un profond coucher de soleil rougeâtre. Le docteur X aperçut également deux antennes sur chacun des engins. Puis les deux masses se mirent à tourner sur leur axe, tandis que les antennes horizontales projetaient des éclairs. À ce moment, les sources des faisceaux lumineux devinrent visibles et permirent l'observation des faces inférieures. Elles avaient la forme de grosses protubérances de couleur rouge. L'alignement des deux appareils était rigoureusement établi suivant un axe matérialisé par la position horizontale des antennes. Les surfaces observées ne présentaient aucune structure visible. Les objets, continuant leur mouvement, se rapprochèrent considérablement du docteur X et leur distance de l'un par rapport à l'autre se réduisit. Lentement, le mouvement se poursuivit en une interpénétration continue. Les deux engins n'en firent bientôt plus qu'un. Il semble qu'à ce moment se produisit un basculement de l'appareil autour de l'axe correspondant aux deux antennes horizontales. Soudain, ce basculement s'accéléra et le docteur X reçut en pleine face le faisceau. Il se rappelle que la partie inférieure de l'engin apparaissait circulaire et sectionnée en étoile. Aussitôt, l'objet se dématérialisa, ne laissant qu'une forme blanchâtre floconneuse qui fut emportée par le vent. À l'instant de la dématérialisation, surgit au centre de l'engin une sorte de fil très lumineux, blanc et rectiligne, fusant d'un trait en direction du ciel. Là, il se changea en un point qui explosa avec un bruit de feu d'artifice. L'obscurité étant revenue dans la vallée, le docteur X subit un choc nerveux, rentra chez lui et se recoucha. Il était 0h45, 10 minutes seulement s'étaient écoulées. Le docteur X s'endormit immédiatement dans son sommeil. Il se mit soudain à parler ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant, et son épouse eut l'idée de prendre des notes. Il raconta un fait étrange qui attira particulièrement son attention. Le contact sera rétabli grâce à une chute dans l'escalier le 2 novembre. Il parla ainsi jusqu'à 7 heures du matin, puis se tut. Effectivement, le lendemain, 2 novembre, le docteur X fit une chute à demi explicable dans l'escalier. J'avais l'impression qu'un crochet me retenait la jambe, dira-t-il plus tard. Tous ces événements choquèrent profondément le docteur X. Douleur, il en perdit du poids. Le même jour, des crampes et des douleurs apparurent dans la région ombilicale. Elles persistèrent avec plus ou moins d'acuité durant la semaine suivante. Le 17 novembre au soir, il commença à ressentir une démangeaison autour du nombril. Il constata la présence d'une pigmentation cutanée et striée. Le 18 novembre à midi, cette pigmentation s'était développée et avait atteint son stade final. Elle se présentait sous la forme d'un triangle isocèle géométriquement parfait, mesurant 17 cm de base et de 14 à 15 cm de côté. Les époux s'alarmèrent de plus en plus. Ils décidèrent de consulter un médecin. L'examen médical fut négatif dans la mesure où le médecin ne put donner l'explication d'un tel phénomène. Le patricien voulut même en référer à l'académie de médecine, mais le docteur X, craignant la publicité, l'en dissuada. Le docteur X fit alors appel à un spécialiste de l'ufologie, Aimé Michel, avec lequel il entretenait des relations d'amitié. Devant de telles réactions, Aimé Michel
supposa qu'elles étaient d'ordre psychosomatique. En effet, le témoin, dans la nuit du 14 au 15 novembre, avait rêvé de son observation et une figure triangulaire était restée associée à l'engin. De ce fait, une stigmatisation aurait pu apparaître sur son corps. Le docteur X se rallia un moment à cette explication. Elle le soulageait en partie, mais un fait surprenant devait vite le contredire. Le même triangle était apparu chez son fils, au même endroit. En mars 1969, Aimé Michel présenta le dossier X devant un groupe d'astronomes de Meudon. Il consulta un psychologue et un biologiste à Paris, ainsi qu'un spécialiste en hypnotisme de Bordeaux. Ce dernier hypnotisa profondément le témoin, lui planta même des épingles dans le bout des doigts. Trois fois il l'interrogea, trois fois son récit fut identique. Quant à l'enfant, il souffrit d'insomnie pendant les 2 années qui suivirent l'incident. Il devint même nécessaire de le faire soigner par un pédiatre. Ses parents ne lui avaient jamais parlé des événements de novembre 1968, et pourtant il commençait à raconter à sa maîtresse d'école que plus tard, il partirait dans la machine rouge qui faisait du bruit dans le ciel et lançait des éclairs. Dans les mois qui suivirent ces incidents, les époux assistèrent ébahis à des phénomènes inexplicables. Des objets se déplaçaient devant eux, des horloges s'arrêtaient et se remettaient en marche, accusant des retards de plus de 3 heures. Une fois, le phénomène put être vérifié par des personnages qualifiés et totalement ignorants de l'observation effectuée par le docteur X. Ces faits étaient des perturbations électriques et les témoins d'une équipe et les témoins ces faits étaient des perturbations électriques et les témoins une équipe de techniciens de l'électricité de France. En fait, il y avait une panne chez le docteur X, bien que la boîte au fusible soit intacte. Pour effectuer ces vérifications selon les normes de sécurité, les techniciens durent pratiquer un débranchement général de l'installation et soudain, au milieu des opérations de vérification, le courant se rétablit. Le docteur X, s'impatientant, attendait des techniciens une réponse à ce phénomène. Malheureusement, le responsable de l'équipe lui déclara « Vendez votre maison car c'est hors de notre portée, c'est de la sorcellerie ». Après un certain temps, les anomalies cessèrent sans raison apparente. Tous ces événements survenus dans leur vie troublèrent profondément Madame X, qui ne parvenait pas à supporter cette situation irréelle et en était désespérée, car incapable d'expliquer la moindre parcelle. Elle pensa même à vendre la maison, mais finit par faire face à la situation et l'accepter comme une réalité nouvelle. Depuis, Monsieur et Madame X sont devenus très religieux. Ils prétendent que plus rien de grave ne peut leur arriver, peine ou maladie. Ni le vieillage, ni la mort ne peuvent plus constituer un problème pour eux. Chapitre 6. Les enfants prophètes. L'enfant possédant des facultés extrasensorielles étonne toujours l'adulte qui a trop souvent tendance à le considérer comme un personnage de cirque doué de pouvoirs spectaculaires. Pour d'autres, en revanche, l'enfant est un prétexte fascinant. Pourquoi ne deviendrait-il pas le prophète d'une nouvelle religion, le Christ d'un nouveau cycle, le héros des temps futurs? Ceux-là bâtiront autour de ses particularités psychiques le décor de leur propre déviation. Ils se convaincront du rôle messianique de l'enfant, de la mission exceptionnelle qu'ils auront à remplir avec lui. Pour ces mégalomanes, la psychokinèse est l'expression d'une certaine volonté divine et l'ESP, un don très rare qui ne serait accordé qu'aux prophètes. La conclusion est totale et l'on a bien du mal à déceler le vrai du faux sans se perdre dans le dédale d'une mythologie à bon marché. Pour les Rose-Croix, il existe un nouveau messie. Il aurait aujourd'hui 12 ans et serait actuellement initié aux États-Unis. Mais sa mission ne lui laisse pas le temps de se consacrer aux joies des autres enfants.
tous les faiseurs de prophéties sont au moins d'accord sur un point, le temps presse toujours. En attendant que son règne arrive, l'enfant Messie des Rose-Croix est élevé dans un endroit tenu secret où lui seraient inculqués les grands principes spirituels. Laissons là le créateur du nouvel évangile et tournons-nous un instant vers Paris, où fleurissent tant de croyances et tant d'illusions. Rue Saint-Maur, exactement. Là vivait, il y a encore quelques années, dans une famille de 5 enfants, 2 enfants pas comme les autres. Ils devinrent bien vite les acteurs et les victimes d'un fait divers qui fit la une des journaux, l'affaire de Marsal. Dans le logement vivent Maurice Gérard, alias Swami Matkormano, et sa femme Josiane, alias Princesse Alféola. Tous deux ont conscience d'appartenir à un ordre très secret dont le sanctuaire initiatique se trouverait quelque part sous l'île d'Hawaï, protégé des curieux par une bannière magnétique. C'est du moins ce que raconte Matkormano, encore appelé mage de Marsal, du nom de son ashram situé dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle. Le mage affirme que la race future d'un haut degré spirituel existe déjà à travers certains enfants mutants qui portent en eux les germes de notre évolution. Ces enfants ont bien entendu des particularités, ce qu'il appelle le signe, c'est-à-dire des pouvoirs supranormaux qui leur permettent d'accomplir ce que l'homme ordinaire n'accomplit pas. 2 de ces enfants sont les enfants du Swami, et leur père leur procure tout le savoir nécessaire qui devra en faire des hommes nouveaux. Réveil tôt le matin, repas végétarien, contrôle de la respiration, posture de yoga dans les conditions les plus difficiles. Malgré leur jeune âge, les deux enfants, le frère et la sœur, acceptent cette éducation monastique. Jusqu'au jour où le drame se produit, Robert Charroux, dans un de ses ouvrages, le livre des maîtres du monde, Lafont, parle du mage de Marsal et lui reconnaît certains pouvoirs. Dans son archam, où on n'accède qu'en devenant disciple, les statues bougent, parlent, discutent. Bientôt elles prophétiseront. Le Swami, la prêtresse Alféola, et un élève, Michel Vaugrant, furent les témoins des réactions verbal des petits personnages magiques. On s'aperçoit que la statuette est chargée quand la tête mobile tourne ou s'incline, puis apparaissent d'autres signes à caractère sonore. La statuette émet des sons d'abord inarticulés, puis cohérents. Enfin, elle parle et la voix sourde de son corps, faible mais perceptible. Dans certains milieux, on parla vite du mage de Marsal, de ses statuettes étonnantes et de ses deux enfants préparés en vue d'une nouvelle race. Un soir de novembre 1968, les habitants de Marsal entendirent plusieurs détonations. Puis ce fut la permanence de nuit du commissariat qui reçut la visite du Swami Matkormano. Bouleversé par l'incident qu'il venait de vivre, on avait enlevé ses deux enfants, ceux qui avaient le signe.
Au policier médusé, il parla de ces statuettes, des dons paranormaux que possédaient les deux victimes du drame. La petite fille n'avait-elle pas le pouvoir de soulever à bras-le-corps une armoire énorme? Pour lui, les causes de l'enlèvement étaient des plus simples. On s'intéressait à la nature psychique des deux gamins. Les inspecteurs pressèrent le swami de questions, cherchant dans ces étranges relations des kidnappeurs possibles. Pour Matkor Mano, les coupables appartiennent à la secte secrète des Hong. Avait-il une idée sur la destination de ses enfants? Pour lui, aucun doute. Ils avaient été conduits dans un sanctuaire secret où l'on préparait de nombreux enfants paranormaux. C'est dans ce lieu caché, affirmait-il, que se construit la nouvelle race. Après des mois d'interrogation, de recherches complexes, les inspecteurs durent se résoudre à l'évidence. L'enquête avait été un fiasco total. Les enfants ne furent jamais retrouvés. Le plus jeune guérisseur du monde. Ce sanctuaire secret pour enfants psy existe-t-il ou bien appartient-il à l'imagination du mage de Marsal? Le mystère demeure et personne ne pourra dire ce que sont devenus les deux enfants de la rue Saint-Maur. L'existence des enfants prophètes n'est pas toujours aussi dramatique, comme le prouve la vie quotidienne de Michael Lord, évangéliste, guérisseur, prêcheur et compositeur de chansons à l'âge de 6 ans. Cet enfant vit aux États-Unis, dans l'état de Géorgie, à Columbus exactement, et c'est là qu'il accomplit ses prodiges. Il aurait réussi, entre autres devant témoins, à guérir une femme d'un calcul au rein. C'est ce même pouvoir étrange qui lui permit d'agir bénéfiquement sur un petit camarade de son âge affecté d'un défaut de prononciation qu'on croyait définitif. Un autre jour, il donna à sa grand-mère le pouvoir de se lever de sa chaise et de marcher de nouveau. L'infirmité n'était plus un obstacle pour le jeune Michael Lord. Les guérisons ont lieu pendant un service religieux auquel participe toute la famille. Peggy, la mère, accompagne au piano les cantiques que dirige Michael Senior, le père du jeune enfant. Michael, qui ne sait pas encore lire, fait alors un prêche de 10 minutes en s'aidant de dessins et d'illustrations diverses tirées d'ouvrages religieux. Un journaliste de l'agence Gamma raconte ainsi l'une des guérisons du jeune Michael Lord. Notre photographe a assisté à une séance samedi soir où un homme vêtu d'un habit de travail lui demanda de le guérir d'une douleur qu'il ressentait sur le côté depuis 6 mois et que les médecins étaient incapables de soigner. S'agenouillant, le petit prêcheur murmura « Prie Jésus » et quelques autres paroles indistinctes. En lui touchant la tête, puis les épaules, le dimanche suivant, l'homme revint à la congrégation pour annoncer que Dieu et le jeune Michael Lord l'avaient guéri. Au sujet de son mystérieux pouvoir, Michael dit simplement « Je ne fais que prier pour eux. Dieu fait le reste, Dieu les guérit. » Michael Lord croit sincèrement à ses dons de guérison. Dieu sert à cristalliser sa volonté, son désir auquel il ne donne pas de limite. Toutes les conditions sont ainsi requises pour la manifestation du phénomène. Les rites de puberté. Les rites de puberté. Nous ne vivons plus les croyances de l'Antiquité, mais cela ne nous empêche pas de retrouver d'instinct le chemin qui mène à nous-mêmes, à travers nos expériences quotidiennes. De tout temps, la puberté, dont nous avons vu l'importance dans la manifestation, du poltergeist, a représenté le seuil du pouvoir. La période où l'enfant déborde de vitalité, de force incontrôlée, venue du fond de son être. À 14 ans, à 12 ans même, l'enfant joue les hommes, mime tous les aspects de l'assurance, de la maturité, maladroitement,
bien sûr, mais son envie d'être une totalité qui s'exprime prouve bien le caractère de la puberté. L'éveil des pulsions vitales tout à coup perceptibles, il se voit vivre. Il sait qu'il existe, que son existence est un composé d'émotions de toutes sortes qui influent étrangement sur son comportement. Il lui restera par l'expérience à maîtriser les possibilités les plus folles qui se présentent à lui. À 12 ans, tout est possible. Rêverie romantique ou lucidité soudaine. Les anciens affirmaient que le stade de la puberté contient tous les pouvoirs futurs. Et cela nous explique bien des choses. Mais il affirmait aussi que ces forces incontrôlées pouvaient pulvériser l'enfant et creuser en lui des abîmes irréversibles. Ce que nous avons oublié, nous, adultes de ce XXe siècle, c'est que l'enfant possède en potentialité, entre 12 et 14 ans, le pouvoir de canaliser et d'orchestrer l'énergie puissante qui roule en lui. Faute de quoi, puisque cette énergie doit se manifester à tout prix, on assistera à ces débordements juvéniles qui vont de la rébellion habituelle à la délinquance dans les sociétés primitives. L'adolescent se levait le matin de sa 14e année, prêt à tenter l'expérience du sang qui devra lui conférer le pouvoir. Le chef du clan lui remettait solennellement la lance ou le poignard du guerrier. Le candidat à l'initiation était ensuite confié à la protection d'un dieu ou d'un animal totémique. Nous retrouvons ici le rôle de l'objet lance-poignard qui devra devenir une réalité à laquelle l'enfant peut se confier dès lors qu'il est le protégé d'un dieu. Aujourd'hui, nous pourrions expliquer de la même manière le choix d'un jouet privilégié. L'identification à une mythologie personnelle. Toutes ces conditions sont donc nécessaires pour la manifestation du pouvoir. Elles canalisent et amplifient la volonté et donnent une vie autonome aux formes les plus surprenantes de l'imagination du désir. Ainsi armé, l'adolescent gagnait la forêt où l'aventure l'attendait. L'aventure, c'est-à-dire la peur, la mort peut-être, les mille et un dangers auxquels il devra faire face. Seule preuve de son courage s'il rentrait dans son village, le trophée de chasse sanglant qu'il ramenait en poussant le cri de guerre du clan. Dans les tribus les plus primitives dont l'organisation était fondée sur la guerre et le meurtre rituel, l'adolescent devait ramener la tête d'un ennemi. À la suite de cette épreuve du sang, la lance de chasse devenait sacrée. L'adolescent la conservait comme preuve de son pouvoir. Au XXe siècle, ce besoin rituel d'épreuve existe toujours. Il suffit de faire face. Il suffit de faire une analyse complète des motivations qui poussent l'adolescent à s'organiser en bande, en clan, puisque le clan n'a plus de réalité sociale. Les impulsions nouvelles que vivent nos propres enfants dès l'âge de leur puberté sont des énergies confuses, idoles et divinités du monde musical, rythmes envoûtants qui permettent la transe et l'ivresse de l'esprit comme du corps, besoin du serment sacré de promesses fatales appelé romantisme, d'amour mythique, de blasphème religieux, du renoncement gratuit, du jeu constant de la vie et de la mort, du bien et du mal, même si ces énergies se trouvent tout à coup canalisées lors de conditions particulières. Alors l'adolescent se trouve possesseur d'une faculté nouvelle. Sans même s'en rendre compte, il joue avec les lois du monde paranormal. Conclusion. Et si vous aviez un enfant extrasensoriel?
Que serait notre réaction si, un jour pourtant semblable aux autres, notre enfant venait vers nous et nous déclarait sans aucun préambule, avec son naturel habituel, « Maman, je peux faire voler mes livres. Mon lit se déplace tout seul. Demain, il y aura un grand incendie dans la rue. Tante X est sur le chemin de la maison. Elle sera là dans 10 minutes. » 10 minutes se passent. Sans trop y croire, un coup de sonnette. La personne annoncée par l'enfant se tient sur le palier, souriante, s'excusant de n'avoir pas averti de son arrivée. Un incident de rien du tout, du moins en apparence, et notre conception du monde vole en éclats. Lorsque les faits sont prouvés, si la supercherie et le hasard ne peuvent être retenus, comment réagir? Car il ne s'agit pas d'un épisode vécu par un autre enfant dans un coin reculé de province ou dans un pays d'Orient enclin à admettre un peu trop rapidement les prodiges. Non, cet enfant est le vôtre, celui avec lequel vous entretenez des relations quotidiennes. Il vit chez vous, avec vous, s'adresse à vous à chaque instant, vous interroge, tient compte de vos humeurs, de vos décisions. Si votre enfant se réveille un matin avec des dons pour la clairvoyance, sachez qu'il n'est pas pour autant un monstre mental, un monstre mental ni un prodige exceptionnel. Nous possédons tous, quelque part en nous, de telles possibilités, mais notre manière d'être, nos mécanismes de vie, nos automatismes répétés de génération en génération ne nous permettent pas de faire revivre ces organes sensoriels atrophiés. Il nous arrive pourtant parfois de remarquer certains faits troublants qui appartiennent effectivement au domaine de la télépathie ou de la prémonition. L'effet de surprise passé nous retournons à nos habitudes et nous mettons très vite ces phénomènes sur le compte du hasard, de la coïncidence. La paraperception existe, comme existent les mécanismes de perception ordinaire. Il s'agit tout simplement d'un autre degré de sensibilité, d'une expression de l'inconscient qui communique brutalement avec le monde extérieur. Mais que faire en cas pareil ? D'abord, s'assurer qu'il s'agit bien d'un phénomène paranormal en éliminant les possibilités de trucage. Le dépistage des symptômes sera facilité si nous nous servons de tous les cas analysés dans cet ouvrage, en tenant compte de l'univers émotionnel de l'enfant, de sa qualité de sensibilité, de ses désirs les plus secrets, car c'est tout un puzzle qu'il nous faut recomposer pour comprendre et accepter. Lorsque la preuve est faite des pouvoirs de l'enfant et que celui-ci est accepté comme un être beaucoup plus sensible que les autres, et non pas comme un monstre de cirque, il nous faudra une grande patience et un amour à toute épreuve pour protéger notre enfant. Pour ne pas briser sa psychologie, pour l'aider à traverser ces obstacles que nous croyons illusoires, mais qu'il voit réellement, ne pas heurter sa sensibilité en contredisant sa nature profonde. Voilà sans doute la condition la plus importante si nous voulons qu'il grandisse, enrichi par sa grande sensibilité et non pas détruit par elle. Ce que beaucoup de parapsychologues ont ignoré, c'est que le test de laboratoire n'est pas d'un grand secours s'il n'a pas d'autre but que de prouver l'expérience aux yeux des officiels. Nous avons vu tout au long de cet ouvrage que la relation humaine et affective est capitale, que sans elle, le sujet est semblable à un oiseau privé de ses ailes, incapable d'évoluer dans cet espace subtil que nous appelons le psy. Tout le monde se souvient sans doute de cette récente émission de télévision, Au-delà du naturel, sur TF1, où l'on voyait un sujet psy de 13 ans, Stephen North, tenter une expérience de psychokinèse sous contrôle scientifique.
2 heures de concentration, expérience nulle. La barre de métal qu'il devait tordre par la pensée n'avait pas bougé d'un centième de millimètre. À ce sujet, Jean-Pierre Girard, lui aussi sujet psy, déclarera, avec justesse d'ailleurs, que certaines conditions émotionnelles, environnement, rapports humains, sont nécessaires pour la réalisation de ce genre d'expérience. On oublie trop souvent la dimension psychologique et le rôle de l'émotion dans les phénomènes paranormaux, comme si l'expérience n'était qu'une suite d'incidents spectaculaires destinés au voyeurisme scientifique. Et il ne s'agit pas seulement de prouver, de définir, de classifier, mais aussi et surtout d'ouvrir entre l'enfant et nous un espace de compréhension, de définir un nouveau mode d'approche en fonction de son extrasensibilité. Je ne saurais assez insister sur la nécessité d'aider à développer les sens subtils de l'enfant, de tenir compte des réalités de son intuition, même si parfois la démarche nous semble inefficace. Dans le fond, nous rêvons tous de comprendre un jour ce que nous sommes véritablement, de saisir une partie de ce mystère qui nous émerveille et nous terrifie à la fois. Le besoin d'irrationnel est immense. Il est en chacun de nous comme une impulsion éternelle, une soif qui ne sera jamais assouvie. Cette impulsion n'est rien d'autre que le souvenir inconscient de nos possibilités paranormales. Si nos enfants conservent jalousement en eux un territoire mythologique où tout est possible, seule manière pour eux de vivre leur désir de pouvoir, nous répondons au même mécanisme inconscient en rêvant sur des agents secrets accomplissant des missions impossibles, en frissonnant devant des films d'épouvante, en nous passionnant pour la course à l'espace où le cosmonaute devient le chevalier d'une nouvelle légende. À travers nos impulsions les plus cachées, il y a la permanence d'un même désir, le désir d'impossible, de pouvoir, de relations dites chimériques, une extrapolation totale de nous-mêmes. Ce que j'ai appelé dans un chapitre précédent le complexe d'Alice. Oui, le pays des merveilles nous hante aussi, mais notre raison nous empêche de le savoir vraiment. Nos enfants sont une cristallisation de ce que nous avons oublié. À travers eux, nous pouvons nous souvenir et peut-être apprendre à nouveau à vivre les possibilités infinies que nous portons en nous.